alors qu'on est en train de réaliser un nouveau record du tour. Bienvenue dans cette deuxième partie de cette épreuve du Mans. La toute dernière, 2 heures de compétition dans la Sarthe avec notre Toyota. On est en tête pour le moment et on va ravitailler. Malgré que l'on soit en train d'aller chercher un record du tour, on n'aura peut-être pas assez de carburant pour aller au bout, même si on consomme 6 tours et demi. On va pas prendre de risque du tout. De bien faire les choses. Donc on est parti pour la dernière heure de course. Vous avez eu quelques vues TV en introduction. Le temps de faire la transition. Alors ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a encore des pneus. Il y a encore des pneus, mais bon. La dernière fois, il n'y en avait pas. Non, c'est bon, pas de pneus. Cette fois, ils vont nous la faire convenablement. Allez, c'est là qu'on peut peut-être faire la différence. Le plein de carburant. Et regardez les stigmates déjà de cette première moitié de course sur la Toyota. Allez, allez, voilà. On relâche. Et on relâche la Toyota avec une vingtaine de secondes d'avance sur ses poursuivants. Et on remonte en piste sur une piste parfaitement claire. Avec 16 secondes, 17 même d'avance sur Devin Smith. Alors que Ben Collins, qui est en tête des P2, est derrière nous. Kay Payne est troisième et Devin Smith au box. Et on est en train peut-être de gagner un arrêt par rapport aux autres voitures. Alors avec le plein maintenant, on espère aller jusqu'à la dernière demi-heure de course. L'arrêt au centre de Devin Smith qui continue de se dérouler. Et Manuel Dueur également est au box. Alors que nous, on a freiné un peu tard sur la chicane. On regarde un petit peu ce qui se passait dans le classement sur la gauche de notre écran. RS Kay Payne et Devin Smith qui n'ont pas ravitaillé. Steve Bernwald, Manuel Dueur et Darrell King, tous dans la pit lane. Allez, je veux pas être de mauvais augure, mais on peut commencer à espérer les gagner une fois ces 24 heures du Mans. Même si on n'aura pas la nuit. Je sais pas pourquoi le jeu ne recalcule pas, ça c'est vraiment dommage. La météo semble au beau fixe. Et après l'arrêt au stand, le moteur a bien refroidi. On remonte un peu plus de 100 degrés, mais ça va aller pendant un petit bout de temps. Il va être soulagé, ce moteur. Et Kay Payne a 40 secondes. 40 secondes pour Kay Payne. Il y en a sur une piste relativement dégagée, contrairement à l'année passée. Où il y avait beaucoup plus de monde. Ça, c'est aussi quelque chose d'un petit peu dommage. Le nombre de voitures inscrites ne varie pas. Et pour une grande finale au Mans, ça aurait été bien d'avoir peut-être 5 ou 10 voitures de plus, ne fût-ce que pour le trafic. Mais ça, une fois de plus, ça ne dépend pas de moi, vous vous doutez bien. Allez, on se reconcentre alors qu'on attaque une nouvelle fois les S-Porsche. Porsche qui est d'ailleurs le grand absent de cette finale. J'aurais bien aimé piloter une 919 pour vous, mais l'absence de la voiture dans le jeu m'en empêche.
effectivement qu'on a perdu du rythme puisqu'on est passé au box. Ingénieur ne l'a pas entendu de cette oreille, pour lui c'est un mauvais tour. K-Pay no box, K-Pay no box, c'est important pour le championnat ça. Alors que devant nous il n'y a plus que des GTE. Alors les 3 dixièmes derrière notre meilleur tour avec le plein, comme quoi on peut vraiment commencer à se sentir à l'aise. Et Devin Smith, deuxième, est à 1 minute 14 derrière. Allez, si la météo est avec nous. Ça peut aller au bout. Patzak au box maintenant avec la Toyota. Sortie du droit de Mulzan. On est avec Kay Payne, troisième derrière Devin Smith, Manuel Dürer, Steve Bernwald. La première Audi, cinquième. Donc quand je parlais du possible podium d'une des Audi, ils sont cinquième pour l'instant. Là, j'ai peut-être un peu trop tiré sur la 4. Ce n'est pas grave. Allez, il reste 50 minutes dans cette épreuve, la dernière de la saison. Et une boucle couverte dans cette épreuve du Mans. Moins de 50 minutes maintenant. Et une voiture toujours aussi plaisante à piloter, elle est parfaite. Réglage aux petits oignons. Comme quoi, quand ça marche, il faut le dire aussi. Beaucoup trop vite là sur les freins. Déséquilibré, mais rien de grave. Même pas une frayeur, juste une perte de stabilité. Devin Smith, 1 minute 20 derrière nous.
Et deux roues dans l'herbe pour aller chercher la BMW. Je sais pas, on devait être à 280, 300 presque là. On a laissé passer le secteur du karting. Allez, encore une boucle, encore une au compteur. Pour l'instant, touchons du singe, on n'a pas percuté une seule voiture en doublant les retardataires. On prend beaucoup de précautions et ça nous est bénéfique. Allez, encore 45 minutes avant de connaître le nom du vainqueur de cette épreuve du Mans. Darrell King au box, nouvel arrêt pour l'une des Audi. Et là, regardez, on va effectivement avoir une arrivée de nuit. Pour les donc 12 heures du Mans. Il aurait fallu conserver les 3 heures de course si on voulait, je pense, passer au-dessus de cette erreur chronologique. Alors que l'on entre dans la nuit du Mans, on va voir si tout cela aura été utile. Si la météo sera avec nous, si les conditions seront avec nous pour ces dernières minutes de cette carrière.
Les phares commencent à avoir une réelle utilité sur cette Toyota maintenant. On perd pas encore trop de température moteur, ça me perturbe un peu, je pensais que ça allait plus vite tomber. On est sur une configuration pour l'instant encore très chaude, très sèche. Oh là là! Ah, les mouvements de la Ford là qui étaient un peu délicats à appréhender. Steve Bernwald est au box. Steve Bernwald est au box. Encore une boucle de fête. On reste quand même loin de notre meilleur tour en course. 24 boucles effectuées. Ah, c'est vraiment dommage que le jeu ne réévalue pas la vitesse du temps selon la durée précise et que ça reste approximatif. On aurait dû faire 3 heures de course pour passer la nuit et retrouver le jour. Ça n'est pas grave. On va triompher sous les étoiles si on parvient à la gagner. Là, on fait un beau chrono. Proche de notre record, on va pouvoir commencer. Voilà. Commencer à attaquer la nuit. Le moteur va refroidir un petit peu. Et les conditions vont être optimales. Vous savez comment la nuit, c'est là où sont faits les meilleurs chronos. Tout simplement parce qu'on peut avoir de l'air le plus frais entrant dans la voiture, dans le moteur plutôt. Et dans la voiture aussi, pour le confort du pilote, bien évidemment. Et c'est souvent vers 23h minuit que les voitures signent leur pole position. Et nous, là, on est pas mal, hein. 2 secondes de mieux à Mulsanne. On est en grosse attaque. Il le faut. Dans cette dernière période, il reste 30 litres dans la voiture. On va encore avoir un arrêt à
à servir. Mais là, pour l'instant, on fait un travail pas si moche. Mais comment, dans une période où il fait si frais, le moteur peut surchauffer à ce point alors qu'il fait nuit quasiment? Le meilleur tour en course. Hop. Ah bah ce sera pas pour ce tour-ci l'amélioration. Grosse frayeur dans la chicane Dunlop. Grosse frayeur ici aussi. Allez, faut garder le rythme, on a perdu une seconde 4, c'est pas grave, fondamentalement. Alors que l'on a au classement Devin Smith, deuxième, Kay Payne, troisième, Manuel Duhor, quatrième et Patzak, cinquième. Les Toyota sont bien, bien dans le rythme. Et moi, j'ai encore 5 minutes à patienter et ensuite on pourra enfin rentrer au box, au cap de la mi-course. On était bien en avance et on va de nouveau stopper sans changer de pneumatique. Ceci tenant parfaitement leur rôle. Et ça y est, la nuit est désormais véritablement tombée sur la Sarthe. Un petit peu de temps, on a toujours de la température dans les freins, dans les pneus et un peu trop d'ailleurs dans le moteur. Ça, je crois que ça nous accompagnera jusqu'au bout de cette épreuve sans discontinuité. Allez. Ça devient un peu brouillon les trajectoires sur cette dernière dizaine de minutes. Ouais, je suis en train de perdre la voiture en fait. Voilà ce qui se passe pour changer. Alors que se passe-t-il ? Pas de raison de perdre la confiance. Allez, on a perdu 7 secondes sur ce coup-là. Pas tip-top. On va essayer de refaire un tour un peu plus correct cette fois.
Pas mal de retardataires devant. Une P2 et des GTE. Carlos Dominiak juste devant nous. Que l'on passe sans aucune difficulté avec l'aide des drapeaux bleus. PM qui referme sur moi dans la courbe. KP no box maintenant. Ouais, dernière salve d'arrêt pour tout le monde. 30 minutes, ouais. Dernier arrêt, splash and dash pour KP également. Et on va également passer par la casse box. Sans doute au prochain tour. Entrée vraiment plus difficile dans les S-Porsche que lors du tour précédent. Ouais, dépassement clean évidemment. On a beaucoup de trafic devant nous. Allez, il reste moins de 30 minutes. Et je crois qu'à la fin de ce tour, on pourra rentrer au box pour la dernière fois de cette épreuve. Freinage extrêmement précautionneux. On a beaucoup de trafic à gérer dans ces dernières minutes. Freinage beaucoup trop appuyé sur ce deuxième segment chicané. Cette deuxième chicane ici, la chicane Michelin. Heureusement qu'on rentre à la fin de ce tour. Arrêt de Manuel Duer au box maintenant. Alors, mis cette erreur ici, il y a quelques tours de cela, copie jusque-là. Quasi parfaite, hein.
On est rentré en 4 dans les S-Porsche, rendez-vous compte. C'est beaucoup, beaucoup trop lent. Donc Bernwall au box, c'est pas le seul. Allez, la sortie de Steve Bernwald au moment où nous venons, nous aussi, dans cette pit lane, rejoindre notre emplacement. Ok, pas de pneus, on va aller au bout, on fait un plein, ça devrait être largement suffisant. On répare un petit peu. Hop là, on manque d'écraser un mécanicien. Heureusement, c'est pas passé loin. Bon bah écoutez, on est en tête pour l'instant devant Devin Smith. On va voir un petit peu où on en est. On remonte en piste dans le trafic. Et il reste donc un stint de 25 minutes. Moteur bien refroidi. Peut-être même. Allez, on s'écarte pour la BMW dans le tertre rouge. On remet un petit peu toute la mécanique en chauffe. C'est pas encore tout à fait chaud, hein, les freins. On est bien à 600 degrés, mais... Allez, avant le passage d'Indianapolis, on double la Ferrari de Hall. Attention, pas de Zach au box, Darrell King également. Et on peut commencer à envisager sérieusement la victoire dans cette épreuve du Mans. On est rentré très très mal dans le segment DS Porsche. On va rester en 5. Ça sert à rien d'aller rechercher de la vitesse pour rien. Avec la Ford là qui était sur notre chemin. Et Patzak devant nous, il est ressorti des boxes.
c'était Three Wide, comme dirait l'autre. Three Wide dans les Hunaudières. Alors, je le sens bien le coup de me faire rentrer dedans, donc je vais freiner. Voilà, avec beaucoup de précaution. Parce que je sens bien que la P2 va freiner genre à 40 mètres et me rentrer dedans. J'ai préféré faire comme ça, tant pis, c'est bien passé, c'est le principal. Maintenant elle est assez loin pour qu'on ait plus à s'entracasser. 3 secondes. Allez, 20 minutes. 20 minutes dans cette épreuve. Alors que mon pied gauche, ma cheville gauche est en train de me lâcher. Allez, l'Aston Vantage que l'on va dépasser. K-Payne 4e, Devin Smith 2e, Manuel Duer 3e. On a la chance d'avoir deux Toyota sur le podium pour le moment. Daryl King 6e, ça va commencer à être difficile pour les Audi. Et dans la nuit noire, il faut bien être concentré sur où vous vous trouvez sur le circuit, parce que sinon vous pouvez rapidement vous faire piéger, comme je me suis fait avoir il y a quelques secondes dans l'entrée des Esports. J'étais un peu perdu. Il faut vraiment, vraiment ne rien lâcher. Rester concentré jusqu'au bout, et on va peut-être enfin l'avoir, cette victoire au Mans. Ah, on la chasse depuis longtemps, depuis plus de 2 ans. Et la première carrière, une tentative en LMP2. On est disqualifié après 1h30, alors qu'on était en tête de la catégorie, on ne gagne pas le Mans. La finale de la première carrière en P1 avec la pluie qui s'abat, les conditions changeantes, on perd tout dans les 15 dernières minutes, on était deuxième. On glisse au troisième et finalement au quatrième rang. Et cette fois, certes dans la nuit, après 2 heures de course, on peut peut-être espérer aller remporter finalement ces 24 heures du Mans en LMP1 avec cette Toyota qui aura eu des bons et des mauvais côtés tout au long de cette saison. Son manque de vitesse de pointe, sa hargne dans les virages. La lutte à Algarve, la déception, la désillusion, la rage à Spa-Francorchamps. Magnifique dernière saison, on a eu des hauts, on a eu des bas, effectivement. Ça fait partie de ce que doit proposer une carrière et un jeu vidéo. Et là, le contrat est rempli. La difficulté face aux IA sous la pluie semble également un peu résolue depuis les derniers patchs. Donc le jeu commence vraiment à bien, bien se sentir, mais il aura fallu près d'un an pour arriver à quelque chose. Et on est en plein trafic ici avec la Gibson, la P2. C'est une Oreca aux couleurs de chez G-Drive. On va tenter l'extérieur complet. Voilà, c'est passé. Avec Ben Collins et Dan O'Brien sur la Ford GT. La stratégie avec un changement de pneu et pas deux tient bien. Effectivement, sans l'usure, c'est plus facile, mais on a tellement été victime de l'IA, de la météo pendant toutes ces courses que là, espérer gagner cette épreuve, c'est une délivrance, un soulagement. Vraiment, vraiment content d'avoir essayé tout ce que je pouvais
pour la gagner. Je sais que c'est une épreuve qui tient à cœur à beaucoup de monde, alors que Devin Smith est au box. Devin Smith qui est au box. Alors, ça va permettre à Kepain de reprendre la troisième position avec la Toyota. Également un championnat sur lequel on était vraiment, vraiment pas favori avec les Audi qui se sont écroulés de par leur consommation. Kepain qui a été notre adversaire tout au long de cette saison. On a souffert à travers le monde au quota également. Pas facile cette course à Fuji où on avait une boîte de vitesse qui était vraiment pas bonne. Manuel Duhar au box avec l'autre Toyota. Les derniers arrêts, les splash and dash pour tout le monde. Allez, 20e peut-être. 30e tour couvert. Et on va passer la voiture de Steve Hu. On est à travers les LMP1 maintenant pour la première fois. Dernier quart d'heure de l'épreuve. Et on bombarde. On ne baisse surtout pas le rythme. Il faut garder l'avance et la température dans les freins et les pneus. Gros problème que l'on avait eu à Spa-Francorchamps résolu pour ces 24 heures du Mans. Ici de nuit. Ouais, on va l'appeler les 12 heures du Mans cette épreuve. Allez, on va pas non plus se rendre malade pour ça. En plus, une arrivée sous les étoiles, il manque plus qu'un petit feu d'artifice et on aura tout pour nous. Allez, 14 minutes. Ah, on décompte les minutes, on décompte les secondes maintenant dans ce dernier relais. Encore une seconde en retard par rapport à notre record du tour. On va pouvoir peut-être essayer de le battre dans les derniers tours. Il reste 10 litres, 13 minutes. Ah, il va peut-être falloir effectivement refaire un splash and dash. Attention, il reste 10 litres dans la voiture et 13 minutes de course. On va rentrer, monter peut-être une dernière fois du carburant dans la voiture. Et pourquoi cette soudaine surconsommation de l'auto? Oui, il reste 9 litres. Incroyable ça. Eh ben, on va devoir également passer par le splash and dash, cet arrêt nécessaire pour refaire un niveau d'essence. Il va rester 13 minutes dans cette épreuve. Et on aura encore un arrêt à faire. Rentrer un tour couvert, Kepain au box, on va pouvoir rentrer, on ne risque plus rien. On ne risque plus rien si on rentre à notre tour au box. Eh bien, la surconsommation de la voiture m'a un peu surpris, je pensais qu'on allait avoir assez en rentrant à 25 tours de l'arrivée. Étonnant là, ce qui s'est passé en termes d'estimation de consommation. Ouais, Kepain au box, Bernwall également. Très, très surprenant. On nous a peut-être pas mis non plus. On nous a peut-être pas mis non plus le plein. Pas impossible, hein. Pas impossible. Alors, on a de l'avance, évidemment, sur notamment Devin Smith. On arrête la Toyota pour un dernier splash and dash qui était vraiment pas prévu, hein, ça je vous l'avoue.
Allez, ravitaillement également pour le pilote. 46 litres. On n'a pas fait un plein. Hop, attention, il y a une P2 qui arrive. Voilà, on l'a... quitte à la redoubler après, mais... je voulais pas me lancer avec une voiture froide devant la P2. Ouais, voilà, ça c'est le gros risque. On a tout dans les mains, on n'est pas pressé, on est vraiment pas pressé. Regardez, il se met quasiment dans l'herbe pour nous laisser passer. Voilà, on repasse Gareth Robinson. Allez, nouveau décompte dans cette épreuve de la part de notre ingénieur de piste. Dans quelques secondes maintenant, le message fatidique. Allez, 10 minutes dans cette épreuve. On est en parfaite maîtrise de ce qui se passe pour le moment. On a le carburant pour aller au bout maintenant, c'est certain. Allez, il va peut-être nous rester de quoi faire 5-6 tours peut-être dans ce temps réglementaire. Hop là. Daryl King au box, ça remonte Kay Payne au quatrième rang. Ouais, tout le monde aura dû donc passer par la voie des stands pour un ultime arrêt. Surprenant hein, ce surplus. Oh là 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 là. Surprenant ce surplus de consommation soudain, mais là. Je sais pas comment j'ai pas été dans le rail. Je sais pas comment j'ai fait. Faut pas se déconcentrer. Faut rester focus. Le décompte va se faire petit à petit. Personne au box. Avant la délivrance. Ah, c'est véritablement une délivrance, là je peux vous le confier. Mais on a vu que rien n'était gagné.
Ça va, la température du moteur est gérable. Et donc le poleman, Devin Smith, pour l'instant deuxième. Manuel Duhor, troisième. Kaypain, quatrième. Patzak, cinquième. Et Darrell King, sixième. Donc pas d'Audi pour l'instant sur le podium. C'est décevant. Je pensais qu'au moins l'une des Allemandes allait se retrouver là. Avec la vitesse de pointe qui est leur point fort. Et les grandes lignes droites de ce circuit du Mans. J'aurais un tant soit peu cru qu'elles allaient être notre adversaire du jour, mais il n'en est rien. Et on retombe sur la P2. Que l'on adore cette... Hop là. Allez, 5 minutes. Il y aura encore 2 tours, je pense. Et on y va large hein, dans CS Porsche. On l'a touché, on l'a touché. Je crois que c'est le premier contact avec une voiture de l'épreuve. Ouais, 4 minutes. L'avant-dernier tour de cette épreuve du Mans. Alors que le petit matin se lève. On voit le ciel s'éclaircir légèrement. Hop là. Là, je pense que niveau carburant, on est vraiment cool. On peut y aller vraiment tranquillement. Et donc, 1 minute 40 d'avance sur Devin Smith. Ça correspond au moins à 2 changements de pneus. On aurait peut-être 1 minute d'avance. Non pas du peuple, mais de Toyota cette fois. Je pense qu'en fait, si, il y a bien eu les 24 heures, mais on a débuté très très tôt dans la journée, je crois. Peut-être ça en fait. Peu importe, je vais vous dire franchement, peu importe, il va nous rester une boucle.
Allez, dernier tour de cette course. Allez, on n'a plus personne devant nous. Dernier tour d'honneur, véritablement. Là, moi, d'une tempête, rien ne peut nous arrêter. On va les gagner, ces foutues 24 heures du Mans, depuis le temps qu'on court après. Ah, ça va faire un grand, grand, grand bien au palmarès. Pour la dernière fois, la grande ligne droite. Et dès une Audière, pour nous, devant nous, dressée. Et on va aller gagner cette course à l'issue des 13 derniers kilomètres de ce dernier tour. Le chrono officiel est terminé. Le soleil se lève sur la Sarthe. Je pense qu'on aura peut-être encore un retardataire sur la fin du circuit, mais ça m'étonnerait, là, ils sont assez loin, les pilotes de la catégorie GTE. Je pense qu'on aura le meilleur tour en course, hein, qu'on aura signé avec un réservoir quasiment vide. La fin d'une belle aventure, une aventure parfois cruelle, parfois injuste, mais souvent joyeuse et kiffante que cette carrière Project Cars 2. On aura un peu plus pesté contre l'IA, la pluie, etc. Mais que voulez-vous ? Passage à Mulsanne pour la dernière fois. La remontée dans la grande courbe qui nous ramène vers le freinage d'Indianapolis. Et Kay Payne sera donc quatrième. On va donc remporter ce championnat d'endurance WEC et ses 24 heures du Mans. Eh bien, s'il aurait fallu passer par l'épreuve de Spa-Francorchamps pour en arriver là, eh bien, ça en valait la peine. Ça en valait clairement la peine. Les S-Porsche qu'on va prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions, c'est gagné. On va arriver au S du karting. Hop là. On prend une dernière fois une Ferrari. Et on va aller remporter ces 24 heures du Mans. Voilà, c'est fait. Victoire. Les résultats donc de cette sixième manche. Victoire donc de notre équipe Toyota devant Devin Smith sur la Marek. Le classement général, donc on prend 50 points. KP en prend 24. Au classement équipe Toyota remporte la catégorie LMP1, le classement définitif de cette saison, 168 points, 3 victoires contre 2 victoires pour Kay Payne. Manuel Duhur, 3ème, triplé Toyota à l'issue de cette saison. Darrell King au pied du podium, il avait pourtant tellement bien débuté la saison à Fuji. Devin Smith sera 5ème avec une très très belle saison sur la Marek Toyota, 282 points. On remporte avec confirmation cette saison. Voilà, grosse, grosse, grosse épreuve que sont les championnats WEC, que l'on remporte évidemment avec le trophée. Voilà, trophée Global Endurance. Nous avons remporté cette série avec la Toyota du côté du LMP1. Voilà, c'était la dernière saison. Alors, on aura remporté la Formula Rookie, la Clio Cup, le groupe A
en DTM historique le Super Trofeo. On aura été vice-champion en Touring Master, champion de Formule X et champion d'endurance. Voilà pour cette carrière Project Cars 2. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé. Il y aura encore d'autres vidéos sur Project Cars 2, bien sûr. On ne va pas arrêter définitivement parce que c'est la fin de la carrière, mais c'est la fin d'une période, évidemment. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi, partagé, liké et commenté cette série. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. À la prochaine. Ciao.